date avec les conventions collectives, les congés payés. Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Le syndicalisme chrétien. Les fonctionnaires ont défilé de l'hôtel de ville au ministère des Finances, la manifestation la plus spectaculaire de la grève des mineurs qui était entrée dans sa troisième semaine. Monsieur Tessier, votre père était l'un des fondateurs de la CFTC. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait CFTC ou CFDT ? Oh, sans aucun doute, il serait CFTC. C'est la CFTC qui continue, mais avec des hommes qui sont résolus. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi en première lecture la généralisation des retraites complémentaires. La CFTC est extrêmement attachée au fonctionnement de la sécurité sociale. La CFTC a fait de la défense du pouvoir d'achat un des grands objectifs de cette rentrée. 35 heures, je pense qu'on peut y aller, pas négociation sur le terrain. Il faut assurer l'avenir des régimes de retraite, mais elle est loin d'être parfaite. Oui, tout de suite, au MEC, mixité, égalité, qualité de vie au travail. C'est conforme aux discussions qu'on a pu avoir. Il est frappant de constater, quand on regarde ces images, à quel point la CFTC a contribué à forger l'histoire sociale de notre pays et à quel point, en retour, l'histoire de la France a contribué à façonner la CFTC. La CFTC, elle a un but, le bien commun, ce qui exclut les luttes des classes, les égoïsmes corporatistes, les inégalités ou encore les exclusions sociales. La CFTC, elle a aussi une stratégie, la négociation d'abord, la médiation ensuite et la grève en dernier recours. La CFTC, elle a une valeur prioritaire. Le respect de la dignité de chaque personne. La CFTC promeut des valeurs collectives, le travail et donc l'emploi, le juste salaire, les bonnes conditions de travail ou encore une protection sociale solidaire. La CFTC, elle se reconnaît aussi dans une tradition qui doit être respectée, l'enseignement social chrétien, lequel peut être partagé par tous, que l'on soit croyant ou non-croyant. L'important pour la CFTC, c'est que la morale sociale chrétienne soit une boussole et pas une fin en soi. La CFTC, elle agit en tant que syndicat de construction sociale. Elle insiste sur le dialogue et la participation des salariés à la gestion et aux bénéfices des entreprises. C'est donc sur la base de ces 7 principes que je définirai les grandes orientations de la CFTC pour les années à venir, en tenant compte du fait que nous vivons dans un monde en bouleversement. Partant de ce constat, la CFTC promeut la construction d'un nouveau contrat social qui doit être élaboré ensemble, syndicats de travailleurs, organisations patronales, ONG ou encore associations. Et sous l'égide de l'État qui doit être le garant du bien commun. Nous devons passer d'un syndicat de service à un syndicat au service. Projeter la CFTC dans l'avenir, c'est ce à quoi je m'emploierai dans les 4 années qui viennent.